Bon, du broyat, du broyat, du broyat. En veux-tu, en voilà. Un grand merci à Marcel, notre cher paysagiste et l'homme aux multiples métiers, multiples facettes, qui nous offre ce broyat. Alors là, en l'occurrence, bon, ça se voit plus très bien forcément, mais c'est du broyat de saule. Alors, il faut savoir que le saule, vous pouvez en faire des purins, donc mélanger à de l'eau dans une grosse poubelle noire par exemple. Vous mélangez tous les jours, vous mettez un couvercle et tous les jours en fait ça mousse, ça mousse, ça mousse. Et lorsque la mousse disparaît, ça veut dire que votre purin est prêt. Et c'est un complexe racinaire en fait. Ça permet aux plantes de développer des racines fulgurantes. Donc voilà, donc là on va pas se prendre la tête avec la quantité qu'il y a là, on va pas se prendre la tête à faire du purin, on va tout simplement aller le déposer dans les buttes de culture. Voilà, donc là on rentre au jardin, et puis voilà, au pied de ces arbres, là, au pied des fraisiers, un peu tout le monde, là on va resurélever la butte et déposer tout ce broyat dessus. Petite butte d'oseille là. Je filme mon bonhomme, je filme. Petit enfant de la terre. Voilà. Allez, c'était l'histoire du purin, n'importe quoi. C'était l'histoire du broyat. Ciao, ciao.